Quoi, moi je suis de la rue, moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis de la rue, c'est ce qu'elle m'a appris, moi, la rue à moi. Elle m'a appris que tu donnes ta joue, tu fais niquer ta mère et puis c'est tout. Alors tu me laisses, vas-y, bouge. Hé, hey, de quoi tu parles, toi, déconné? Tu viens de braquer un truc avec un plein de flics qui ont pu te faire tuer, lui aussi. Ça fait vraiment des biens, des chiens en coup. Vous croyez en Dieu? Il faut pas se demander si on croit en Dieu. Mais si Dieu croit en nous. J'avais un ami qui s'appelait Grunwaldski. On était déportés ensemble en Sibérie. Quand on va en Sibérie, dans les camps de travail, on voyage dans le train à bestiaux qui traverse les steppes glacées pendant des journées entières sans croiser personne. On se tient chaud ensemble. Mais le problème, c'est que pour se soulager, pour chier, c'est pas possible dans un wagon. Et le seul moment où on s'arrêtait, c'était pour mettre l'eau dans la locomotive. Mais Grunwaldski était très pris. Même quand nous devions nous laver ensemble, il était très gêné. Et moi, je me moquais souvent de lui à cause de ça. Donc, le train s'arrête et tout le monde en profite pour aller chier derrière le wagon. Et moi, j'ai tellement embêté Grunwaldski avec ça. Il préférait aller un peu plus loin. Donc, le train repart, tout le monde sort dedans. Car le train, il n'attend pas. Le problème, c'est que Grunwaldski s'est éloigné derrière un buisson. Il n'avait pas fini de chier. Alors, je le vois, il sort de derrière un buisson, en tenant son pantalon dans son main pour ne pas qu'il tombe. Il essayait d'attraper le train. Je le tends la main. Mais chaque fois, quand il me tend le sien, il lâche son pantalon. Il tombe sur ses chevilles. Il remonte ses pantalons. Il reprend sa course. Et chaque fois, son pantalon il tombe quand il me tend la main. Et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Grunwaldski est mort de froid. Au revoir. Au revoir. Il nous a raconté ça.